Frères et sœurs, chers amis, nous lisons ce matin le texte du jour, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 17 et suivants. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « insensé » sera passible de la Géhenne, du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Si ta main droite est pour toi occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et dans ce texte, je retiens particulièrement une phrase que je développerai dans quelques instants. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il nous est proposé le cantique 178, les trois strophes. Aujourd'hui, toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière à Jésus.
le Rédempteur. Aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile tout pécheur soit convié. Aujourd'hui rempli de joie en écoutant son appel, bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel. Ô Dieu notre Père, nous t'en prions, rends-toi présent par ta parole, une parole qui nous surprend, qui nous dérange, qui nous agace, qui nous plonge même parfois dans le doute. Ô Dieu notre Père, viens parmi nous à travers ta parole, mais une parole de paix, de grâce et de bonheur. Par ton esprit, illumine nos vies, ouvre nos intelligences et fais-nous recevoir cette grâce aujourd'hui, demain et toujours. Chers amis, frères et sœurs, avant toute chose, je voulais remercier les pasteurs de cette paroisse et le président du conseil et tous les membres du conseil pour l'invitation qui m'est faite d'être avec vous dans ce lieu extraordinaire que j'ai découvert encore une fois hier soir à l'occasion d'un concert. Je voulais aussi vous dire combien je suis heureux de présider ce moment de méditation à partir d'un texte de l'Évangile qui est au fond le texte du jour, parce que j'aurais pu me choisir l'un de mes textes préférés, j'aurais pu vous imposer mes préférences, j'aurais pu aussi inventer quelque chose et ne pas prêcher sur la Bible. Après tout, on peut trouver dans d'autres lieux d'autres écrits, d'autres textes, des éléments de méditation très proches de ce que nous allons trouver dans l'Évangile de Matthieu. J'aurais pu aussi vous parler de la Fédération protestante de France et vous raconter l'Assemblée générale, les projets, les défis. J'aurais même pu développer, peut-être que j'aurai l'occasion de le faire au moment des annonces, ces fameuses mutations du protestantisme français qui donnent de plus en plus aujourd'hui un aspect multicolore aux paroisses qui le composent. Multicolore au sens non seulement
ethnique et culturelle ou nationale, mais aussi spirituelle, liturgique, théologique. J'aurais pu, mais nous avons l'Évangile avec cette phrase de Jésus. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voici une belle accroche, donc, que je garde pour vous, pour une prédication dans cette belle paroisse de l'Oratoire du Louvre. Vous n'entrerez jamais dans le royaume si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. Mais au fait, connaissez-vous des scribes et des pharisiens ? Connaissez-vous leur justice ? Qui parmi vous a jamais été en relation avec des juifs de cet arrondissement ou de cette ville ? Nul doute que vous êtes très nombreux à connaître parmi vos amis et dans vos réseaux de personnes, membres de la synagogue et du consistoire. Ici, en un lieu d'ouverture et de dialogue, comment imaginer qu'il en soit autrement ? Vous aurez eu alors devant vous l'image de l'humble obéissance, de l'authentique fidélité, de la véritable justesse d'une vie tout entière, orientée par l'observance et les pratiques qui ponctuent chaque jour, chaque mois, chaque année, en signe de véritable fidélité. Vous aurez alors compris combien la parole de Jésus, ce rabbin conservateur, comme le décrit un commentateur avisé, ce rabbin conservateur, ce maître qui renvoie sans cesse son auditeur à une observance renforcée, à une fidélité encore plus attentive aux préceptes de Moïse, rappelle inlassablement l'importance du faire, l'importance de l'agir, l'importance de l'engagement, de l'accomplissement précisément. Lui qui n'est pas venu se passer de la loi, mais l'accomplir. Et combien par ces injonctions, pas toujours amènes, lorsqu'il dit par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, des injonctions pas toujours amènes, mais qu'il ponctue heureusement par un « Amen, Amen, moi je vous le dis », eh bien, il replace chacun de nous devant sa vie, devant ses relations humaines, devant son prochain, devant le plus proche, devant le conjoint, devant le fils ou la fille, devant celui avec qui l'on vit chaque jour. Les croyants que nous sommes doivent donc se tenir aux aguets quand ce maître Jésus parle, quand ce maître nous parle. Certes, il aime peut-être que nous soyons croyants. Et les croyants, vous le savez, et les protestants en particulier, aiment à se définir ainsi, comme de véritables croyants, des croyants qui ont la foi. Mais lui demande des signes à cet égard. Et il ne se paye pas de mots. Il aime la foi, mais aussi l'acte de foi, la foi en acte. Car pour Jésus, la justification par la foi n'est pas la justification par les œuvres qu'on ne fait pas. Jésus n'est pas un maître de sagesse seulement, ce type épatant qui se donne en modèle, et que même des incroyants admirent en lisant ses propos, mais sans jamais les comprendre tout à fait, ni sans jamais les suivre. Jésus n'est pas un maître de sagesse seulement. Il n'est pas non plus cet exemple humaniste pacifique que nos mémoires protestantes, très 19e, gardent précieusement, comme on garderait pieusement une relique tout au fond de soi. Imaginant d'ailleurs que ce faire mémoire très personnel, intime, concernant Jésus, suffirait, comme si la foi n'était que de l'ordre du souvenir, comme si la foi était l'acte de la Vestale, celle qui
tient le feu allumé. Ici, un feu hebdomadaire qui s'allumerait chaque dimanche. Non, Jésus, maître de la vie, est vivant aujourd'hui. Il n'est pas seulement rabbin conservateur, il n'est pas seulement maître de sagesse. Il est homme vivant au milieu de nous. Et sa présence est réelle. Et les mots de lui que nous tirons de l'Évangile, l'Esprit nous les fait entendre maintenant. Car il se tient au milieu de nous. Jésus n'est pas un mort-vivant maintenu artificiellement par le branchement de notre souvenir fidèle. Il ne nous demande pas d'être de bons souvenants, d'être de bons historiens, de bons archéologues de son trajet de jadis. Il ne demande pas d'être non plus seulement des hommes et des femmes corrects, qui se tiennent correctement, des hommes et des femmes conformes aux usages, de bons citoyens, de bons chrétiens, qui appliquent les règles. Il n'attend pas de nous que nous soyons non plus obsédés par la bonne doctrine. Et tout à l'heure, on a repéré que même dans cette paroisse, il y avait diversité de doctrines, peut-être même des doctrines proches de l'hérésie. Et pourquoi pas ? Il nous demande non pas d'être des hommes et des femmes gardiens de la bonne doctrine. Il n'a pas prévu un jour de colère pour régler ses comptes. Mais il dit, et c'est ce que je voulais vous rappeler ce matin, il dit quand même, Jésus, un peu brutal, c'est vrai, mais c'est en bonne part, je vous le promets. Il dit, vous n'entrerez pas, vous n'y arriverez pas. Et s'il dit cela, c'est parce qu'il vous connaît bien. Il vous connaît très bien. Et il vous suit depuis longtemps, depuis votre naissance et peut-être même depuis avant votre naissance. Et il sait que vous saviez cela déjà, que vous n'entrerez pas tout seul. Il sait que vous le pressentiez. Être conforme à la limite, c'était à votre portée. Être juste, être en règle avec la loi, avec le fisc, avec la politesse, avec les codes paroissiaux, ou les codes du travail, les codes de l'entreprise, oui, c'est à votre portée. Supporter votre belle-mère, oui, vous l'avez fait, vous le faites encore peut-être. Élever les enfants dans la paroisse et cotiser, oui. Tout cela, vous pouviez le faire, vous en étiez capable, vous en êtes capable. Mais vous ressentiez déjà depuis longtemps en vous-même que cela ne suffisait pas. Vous n'entrerez pas. Même avec tous les certificats de bonne conduite, même avec les meilleurs bulletins et les meilleures places, même avec les meilleures généalogies qui remontent aux galères, et pourvu que l'ancêtre se soit fait prendre, comme cela son nom est gravé sur un mur. Vous n'avez pas commis de meurtre, ni les pires choses de la vie. Vous savez tout au fond de vous-même que votre vie est peut-être, et c'est là que je veux en venir, vous savez tout au fond de vous-même que votre vie est peut-être plus sombre encore que tout cela. Vous n'avez pas commis de meurtre, peut-être même pas l'adultère. Vous n'avez peut-être même jamais battu quelqu'un avec vos poings. Vous ne vous êtes peut-être même pas fâché avec votre fils ou votre fille. Mais vous savez que votre vie est peut-être plus terrible encore. Qu'elle est torturée, douloureuse, brisée, et qu'elle se tient cachée au fond de vous-même, inavouable, impardonnable. Car même sans le meurtre se nourrit la colère, la haine, la jalousie en vous. Même sans l'adultère, sourde l'envie, l'addiction, la violence, le mépris, la suffisance, la lâcheté. Et se construit peu à peu le refus de s'avouer tout cela, de se l'avouer à soi-même,
et de l'avouer à l'autre, le plus proche, le conjoint. Non, vous n'entrerez pas. Vous ne pouvez pas entrer comme cela. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même si vous voulez être vraiment authentique et honnête. Certes, un bon nombre de philosophes du bonheur qui font fortune en ce moment vous disent, en édictant des préceptes et en citant les auteurs de la Grèce antique, que vous y arriverez, que c'est à votre portée. Ils vous disent que le bonheur est devant vous. Oh, excepté le royaume qui, à leurs yeux, n'existe pas. Ils vous disent que tout se joue ici et maintenant, qu'il n'y a pas de temps à perdre pour être heureux, que tout dépend de votre choix, que vous le valez bien, que ce bonheur à saisir dans l'instant, vous n'avez qu'à le cueillir. Et dans ce monde de l'immédiateté, où le temps est humilié et réduit à l'horaire du prochain journal, vous n'avez plus de temps à perdre, il faut acheter le livre de recettes ou le commander sur le site prévu à cet effet. Non, vous n'entrerez pas, parce que vous ne vous contenterez pas de ce livre. Que reste-t-il alors aux pauvres croyants que nous sommes, puisque nous ne pouvons rien faire de plus, puisque nous sommes pécheurs, certes, mais pécheurs honnêtes, des pécheurs malheureux, mais honnêtes quand même. Il nous reste à poser des actes de foi comme les scribes et les pharisiens, et à faire mieux qu'eux, si c'était possible. C'est ce que nous demande Jésus. Il nous reste à voir dans la loi, dans les lois, dans toutes les lois, dans tout ce qui fait notre vivre ensemble, non seulement dans l'Église, mais dans notre société. Il nous reste à voir dans les lois et dans notre vivre ensemble ce qui est injuste, pour le dénoncer et le faire avancer. Dans la loi, dans les lois, dans notre vivre ensemble, ce qui est insupportable et que l'on peut changer. À commencer, comme Jésus le fait lui-même, par ce qui touche à la violence dans les rapports humains, la violence à l'égard du plus petit, de l'enfant, du conjoint, du subordonné, du détenu, du malade, du mourant, de celui qui se sent exclu, alors qu'il ne l'est peut-être pas, mais qui en souffre, à celui qui est exclu, réellement, de l'étranger, de l'handicapé, bref, de votre voisin de chaise, peut-être, tout simplement. « Va te réconcilier, dit Jésus, avant de te déclarer bon croyant. Et mets en pratique ce qui t'est demandé dans ta relation avec l'autre, bref, que ton acte de foi soit un acte qui, entre Dieu et toi, fasse advenir le tiers oublié, l'autre, que tu n'avais pas vu. Vous n'entrerez pas, dit Jésus, si vous comprenez la foi seulement comme une relation à Dieu. » Une relation à deux, comme si croire était une pensée, une idée, un lien à deux, entre lui et vous. Au fond, comme si vous pensiez que la foi est une sorte de coquetterie de l'âme qui vous permet d'être en proximité avec Dieu. Comme si la foi concernait des individus et leur Dieu pour un bon voisinage de confort, et non des humains en relation les uns avec les autres dans le monde. Vous n'entrerez pas, dit Jésus, voulant signifier ainsi que vous n'entrerez pas seul, sans les autres, sans votre voisin, sans votre conjoint. Vous n'entrerez pas contre les autres, en les bousculant ou en marchant sur leurs pieds. Le royaume dont parle Jésus est à cet égard un territoire, un espace ouvert, large, une contrée, peut-être imaginaire, mais qui renvoie à notre royaume ici même, où chacun doit trouver sa place, comme Alima aujourd'hui trouve sa place parmi nous. Va te réconcilier, reparle avec ton conjoint,
Offre ton visage à celui que tu fuis dans la famille. Entre dans la cité. Prends ta place pleinement dans le débat. Et puis, comme il y a des échéances bientôt, va voter. Va voter pour ton maire. Va voter pour les européennes et fais le bon choix. Le bon choix. Inscris-toi dans un parti, s'il le faut, dans un syndicat, s'il n'y a pas assez d'inscrits. En tout cas, engage-toi, sois humain, c'est-à-dire, et j'arrive au bout de ma méditation, sois humain, nous dit Jésus, c'est-à-dire sois loyal. Loyal avec autrui. Loyal, autrement dit, appliquant la loi. Mais non pas comme on applique une règle, mais comme on vit en humanité, de sorte que derrière la règle se révèle la promesse qu'elle contient, la promesse d'une vie réconciliée entre les hommes. Alors, frères et sœurs, vous entrerez dans le royaume, et d'ailleurs vous y êtes déjà, d'une certaine façon. Vous y êtes déjà, comme dit calmement celui que je ne peux pas manquer de citer en ce lieu, ce Picard exilé qui n'a jamais pu rentrer dans son royaume, dans son propre royaume de France, Jean Calvin, qui disait « Ce règne-ci qui est spirituel commence déjà sur la terre en nous quelques goûts du royaume céleste. » Et c'est cela l'Église, peut-être. Ce lieu où, à travers l'accomplissement de quelques règles, de quelques lois et de quelques usages, se perçoit ce à quoi nous sommes tous promis, un salut, une terre. Oui, vous entrerez, frères et sœurs, en ce royaume, prolepse du royaume qui vient, par Jésus qui ouvre la marche et qui accomplit toute la loi, toute règle, et qui en révèle toute la promesse. Amen.